Enfin, je l'ai. Oh, franchement, je suis super content. C'est un smartphone relativement fin, mais qui comporte 5150 mAh de batterie, ce qui est juste énorme. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, je vais te présenter le Umidigi F1 ou Umidigi. Ça dépend des gens. Moi, j'aime bien dire Umidigi. Je trouve que ça passe bien. Il s'agit d'un smartphone qui est sorti durant le mois de janvier. Je vous ai présenté rapidement les caractéristiques durant le mois de décembre, puisque ici c'est vraiment dingue ce qu'on a, et surtout en termes de rapport qualité-prix. On retrouve un écran Full HD de 6,3 pouces, donc c'est relativement un grand écran, et comme on peut le voir juste ici, nous avons une petite goutte au lieu d'avoir une barre. Résolution de 2380 x 1080 pixels et une épaisseur de 8,8 mm. Donc il s'agit d'un smartphone relativement fin, mais on va dire que c'est pas non plus le plus fin des smartphones. On le sent qu'il est légèrement plus épais que d'autres smartphones quand on a un petit peu l'habitude, mais sinon ça va, hein. Comme on peut le voir, c'est pas très gênant. Il pèse 186 grammes, donc c'est plutôt léger, mais voilà, on sent un petit peu, c'est comme au niveau de l'épaisseur, on sent que voilà, il y a quand même une grande batterie à l'intérieur, et c'est ce qui nous intéresse honnêtement, je pense, le plus. Au niveau du stockage interne, on retrouve 128 gigabits, c'est énorme encore. Alors, sauf que ici, en fait, on a déjà 10 gigabits qui sont placés. Donc, tout ce qui va être dans, par exemple, dans le système d'exploitation, les applications qui ont été rajoutées à l'intérieur. Mais sinon, au niveau du reste, on va dire qu'on a au moins 100, 110 gigas disponibles lors de l'achat, en fait, du smartphone. Et c'est vrai que je trouve que c'est relativement impressionnant. Type de mettre deux cartes SIM et comporte aussi la technologie NFC. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau de sa batterie, donc 5150 mAh, on va dire une autonomie de 2 jours avec une bonne utilisation. Donc moi, j'ai pu tester un petit peu et je me suis rendu compte qu'il tenait bien un jour et demi. Et pourtant, moi, je l'utilise à fond, hein, le téléphone, tout ce qui va être, on va dire, des grosses applications qui demandent pas mal de ressources. Franchement, je suis assez content là-dessus, sachant qu'aussi qu'il y a 4 gigabits de RAM. On va trouver le Face Unlock ainsi qu'un lecteur d'empreintes digitales. Bien entendu, il s'agit donc d'un port type C, donc avec la possibilité de le charger rapidement avec le fast charging. Disponible sous Android 9.0, une caméra frontale, et ce qu'on va voir juste après, donc ici, de 16 mégapixels, donc c'est pas mal. Deux caméras, donc à l'arrière et située donc au dos de l'appareil, juste à côté du lecteur d'empreintes digitales. Donc une de 16 mégapixels et une autre de 8 mégapixels. Et par contre, une ouverture en 1.7. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Il existe plusieurs couleurs, donc la noire, la dorée ou alors la version rouge. Donc la rouge, c'est celle que je vous présente forcément aujourd'hui. C'est l'une de mes couleurs préférées, et puis en plus de ça, je trouve que c'est assez stylé de pouvoir vous présenter la version rouge, en fait. Je trouve que ça apparaît bien, en tout cas, devant la caméra. Dans la boîte, alors par contre, je voulais juste faire une petite parenthèse. Moi, j'ai jamais eu de blister autour de ma boîte. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai acheté, là ici, c'était sur Amazon, par exemple. Eh bien, il y avait juste ces petits scotch là sur le côté pour prouver comme quoi il a jamais été ouvert, entre guillemets. Mais j'ai jamais de blister, donc de protection, de plastique. Même s'il est très fin, juste autour pour un petit peu justifier le côté neuf. Mais bon, sinon ça c'est pas grave, puisque j'ai vu qu'il était en parfait état, le smartphone. Donc la boîte, on retrouve forcément le téléphone en lui-même. On va retrouver aussi donc une protection assez sympa, un peu habituelle avec maintenant la marque Umidigi ou Umidigi, ça dépend de comment tu veux le dire. Donc elle est un petit peu rigide. L'intérieur est assez stylé, ça fait des petites toiles un petit peu d'araignée. Donc j'ai vu et j'ai remarqué en tout cas que ça se fait de plus en plus maintenant, et surtout avec les marques chinoises, de proposer directement une protection. Et c'est vraiment sympa, puisque quand tu vois pour certains smartphones la protection, c'est au moins 40-50 €, tu fais ah ouais, quand même, ça fait pas mal. On a donc une notice avec dedans aussi, je sais même pas comment ça s'appelle, ce qui permet en fait d'enlever donc la carte SIM. Et bien entendu, un câble. Donc en type C, voilà, qui est juste ici, et le chargeur en lui-même, donc doté de la techno, eh bien fast charging, pour charger donc rapidement son téléphone. Il est actuellement au prix de 199 €, et ce que je trouve vraiment excellent en termes de rapport qualité-prix, c'est pour ça que je voulais vous en parler en tout cas aujourd'hui.
et que j'ai décidé même là de l'acheter parce que j'ai trouvé ça mais vraiment hyper intéressant. Après il y a peut-être des choses à améliorer dans le temps, ça peut être par exemple au niveau du haut-parleur, au niveau aussi par exemple on peut pas recharger ce téléphone en sans fil. Ce sont des petites choses que éventuellement avec le temps je pense qu'ils vont pouvoir modifier et rajouter et améliorer. Mais aujourd'hui retrouver un bon smartphone avec un très grand écran, il tourne bien et correctement toutes les applications, il y a un énorme stockage interne donc de 128 gigabits, on va dire 110 gigabits, il y a une bonne RAM derrière, on peut vraiment l'utiliser dans plusieurs conditions. Au niveau de l'appareil photo, c'est plutôt agréable, surtout la frontale j'aime beaucoup. Après l'arrière, je trouve que les Chinois ont relativement un peu de mal à gérer tout ce qui va être luminosité, tout ce qui va être voilà. Au niveau de l'objectif, je trouve ça pas encore aussi bluffant que d'autres smartphones. Après, il faut se rappeler voilà, qu'il s'agit ici d'un smartphone à 200 euros. Et c'est pour ça que je trouve que, en termes de rapport qualité-prix, bah, franchement, c'est excellent. Boum! Merci à tous les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi? Continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.